La mobilisation est totale, bien sûr, pendant la crise. Elle n'est pas finie, mais aussi après la crise. La crise ne s'arrête pas lorsque l'eau commence à redescendre. Et tout sera mis en œuvre pour accélérer le retour à la normale, car rien ne serait pire que de laisser les sinistrés, les élus, les entreprises, les agriculteurs livrés à eux-mêmes une fois que l'attention se sera détournée d'eux. Ce fonds sera géré par les départements, par les préfets de département, dans chaque département, en lien notamment avec les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour répondre encore une fois à des besoins criants, les gens qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas revenir dans leur maison ou dans leur logement et qui ont besoin de ce soutien, donc plusieurs millions d'euros pour mobiliser encore une fois ces fonds d'extrême urgence.